On arrive sur la partie du site internet des ambassadeurs. Salut. Bonjour. Julien Lemay, Black Tulip. Quel est le principe du site? Le principe du site, c'est à peu près comme le principe des soirées. C'est-à-dire que les soirées, ça fait effectivement assez longtemps que je travaille dessus. Les soirées sont intéressantes parce qu'elles sont différentes. Et les soirées sont intéressantes parce qu'elles te plongent dans un univers. Donc ce qu'on essaie de faire sur le site, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire plonger les internautes dans un univers dès les teasers et après au travers du site et être différent, c'est-à-dire faire un site de soirée qui ne ressemble pas à un site de soirée, sinon ça ne nous intéresse pas. Donc je pense que jusqu'à maintenant c'est relativement réussi, il y a des surprises qui sont dévoilées au fur et à mesure. Temps. Ouais. Voilà. Facebook, il y a un groupe donc qui a été créé spécialement. Comment ça? Alors c'est plus compliqué que ça. Il y a un groupe qui a été créé pour la base, pour les gens qui font les ambassadeurs depuis 10 ans, depuis des années. Là, le groupe est désormais fermé. C'est un groupe clos. À côté de ça, on a un groupe de fans qui sont des gens qui s'intéressent aux ambassadeurs. Et autour de ça, de la même manière que toute la communication autour des ambassadeurs, on a un certain nombre de clans qui ont créé leur groupe virtuel, comme dans la vie réelle. C'est-à-dire que les 10 ou 15 clans qui font les ambassadeurs font aussi des groupes sur Facebook. Et les gens s'inscrivent et communiquent entre eux. Donc il y a une communication qui vient du bureau des ambassadeurs et des communications parallèles qui partent des chefs de clan qui diffusent auprès de leurs oreilles. Est-ce que ça ressemble au décor? On va voir. Écoute, ça te plonge dans un univers qui est proche dans l'esprit, mais qui n'est pas forcément à la lettre. Voilà. Donc ça fait partie des surprises que vous allez découvrir. Est-ce que les gens essaient de vous soudoyer pour savoir où ça se trouve? À peu près tout le monde. Tout à fait honnête. Est-ce que vous parlez sous la torture? Absolument. Alors, les clans, on peut les voir. On a effectivement des professeurs fous, on a des has-beens. On a des alchimistes, on a des papes de l'université. Ah, ça c'est marrant. C'est assez marrant. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, les chefs de clan se prennent au jeu et comprennent l'intérêt de se marrer, même en amont, pour communiquer sur la soirée. On a le clan des glands, il y a des mecs qui sont bien malins, mais le clan des maîtresses, la confrérie des Gamma Sutra. Le cercle, les Easy Riders, enfin, chacun a été très créatif comme tu peux le voir. Ça te va? Ça me va.